L'univers familier, on le voyait tous les jours. J'aimerais que tu nous en dises deux mots parce que tu as été le plus proche spectateur des Jaguars finalement. Mais c'est vrai qu'en si peu de temps, j'ai eu beaucoup de chance. Le Jaguar, on le voit plus facilement en Pantanal, souvent en limite de rivière. Mais là, en l'espace de quelques jours, et comme le disait Jérôme, on le voyait tous les jours, je l'ai vu, et surtout, bon, là, on a pu voir la mère et son petit en train de jouer sur un milieu vraiment découvert, et c'est assez rare, comme la plupart de ces gros félins, ils sont quand même le plus souvent camouflés, ceux qui nous voient, on ne les voit jamais, donc je pense que là-dessus, c'était une énorme opportunité. Et voilà, bon, moi, c'était un grand merci, parce que c'est quand même grâce à ce tournage que j'ai pu être aussi loin, au cœur de l'Amazonie. Seul, c'était une mission impossible. Et voilà, le fait d'être aussi loin, on était face à des jaguars qui n'avaient quasiment jamais vu l'homme, ou très peu en tout cas. Et c'était, donc même les Péruviens, les locaux, les Indiens étaient surpris de les voir aussi régulièrement. Donc encore une fois, c'était, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans mes images, mais c'est juste le fait d'être sur place et d'avoir vraiment saisi cette super opportunité. On en était même au point d'interdire les équipes de s'arrêter, photographier le jaguar quand on portait le bossé le matin. Parce que le premier matin, on s'arrête un quart d'heure, oh, le jaguar, une demi-heure, puis vous voyez la montre qui tourne. Puis quand ça fait une semaine, oui, le jaguar. Hein. Non, je vous dis ça, on n'était jamais blasé, mais c'est sûr, je crois que là, on a eu une chance, mais c'est aussi l'opportunité d'aller aussi profond dans la forêt, c'est-à-dire, ben voilà, on était au cœur de la vie elle-même, c'est pas une formule, on le sentait tous les matins, tous les jours. Et ben, je crois que ça, c'est une chance inouïe. Quand tu disais qu'est-ce qu'on retire de ça, ben, je crois la chance inoubliable d'y avoir été. Je crois que ça, c'est un privilège qu'on a, et je pense que c'est au titre de ce privilège qu'on doit de partager, qu'on doit de témoigner, qu'on doit de faire ces films patrimoniales. On a une chance inouïe, la société nous donne cette opportunité-là, ben, à nous de convaincre, parce que c'est sûr, quand on va dans ces forêts, c'est facile de dire, ben oui, il faut protéger la nature, c'est une évidence absolue. Quand on habite en ville, un peu plus loin, ben, c'est peut-être moins évident. Alors, on va donner la parole au public, évidemment, hein, moi j'ai un peu de terre, et puis voilà, donc libre à vous de poser toutes les questions que vous voulez à nos... Avec un micro, c'est parfait. Voilà, donc si vous voulez poser des questions à Francis, à Jérôme, à Vincent ou à Luc, eh bien, c'est à vous de jouer. Oui, alors vous le trouvez in extenso dans le livre d'Actes Sud. Il était une forêt, le beau livre. Il est repris dans le texte. Alors, on a une question là-bas au fond. Vous amener un micro. Bonsoir. Je constate que vous êtes quatre hommes à la tribune, là, même cinq. Et il y a très peu de femmes aussi dans les images qu'on a vues. À quoi est-ce dû? Les femmes, on les avait invitées ce soir. Les filles n'ont pas voulu venir. Je sais qu'elles étaient invitées. Le cinéma n'est pas très paritaire. Il faut reconnaître que quand vous partez dans ce genre de milieu, vous avez plutôt des candidats ours, voire un peu hommes, que des candidats femmes. Il n'en reste pas moins qu'il y a des jeunes femmes qui sont venues travailler avec nous, qui ont très très bien travaillé. C'est pas une question de ségrégation. Je pourrais citer Estelle Beau, que vous avez vu, qui était script sur le film, qui a pris, je crois, beaucoup de plaisir sur le film. Il y avait Acrivi qui se chargeait de tout travail sur les données. Il y a Sarah Delben, que vous avez vu, qui a fait toutes les photos de making-of. Il y avait une maquilleuse sur le tournage, Allegra. Enfin voilà, c'était pas que masculin. Mais c'est vrai que c'est des tournages qui sont compliqués, qui sont très physiques. Et encore une fois, les équipes de techniciens de cinéma dans ce genre de milieu-là sont plutôt des équipes d'hommes. Mais encore une fois, les femmes sont les bienvenues sur le tournage, évidemment. Vous avez vu Aurélie Blin, qui était assistante de caméra aussi. Donc il n'y a pas eu que des hommes, malgré tout. Oui, tout ça est parti de cette volonté qui est arrivée très rapidement dans l'écriture du film, de passer au-delà du temps de l'homme pour rentrer dans le temps des arbres. Moi, je me souviens, dans la forêt des nuages, vous avez vu quelques images de Vincent, qui sont là pour le coup des images arrêtées, où vous voyez une fougère qui est sur le point de se développer, et moi je me suis dit, mais je veux la voir se développer, cette fougère. J'avais envie de voir un Moabi qui germe au pied de Francis et qui se développe et qui devienne un arbre géant, c'est-à-dire que
ce monde n'est pas immobile, il nous paraît immobile. Et j'ai vraiment voulu, avec le cinéma, nous donner ce privilège, artificiel certes, mais réel, de voir la mobilité des plantes. Et la mobilité, c'est pas la mobilité qui m'intéresse, c'est l'esthétique de ces gestes-là. C'est des promesses, pour moi, c'est des promesses de danse, c'est des promesses de mouvement, c'est des promesses d'une beauté absolument extraordinaire. Vous le sentez dans la forme, dans la ligne de tous ces déploiements en puissance. Et pour moi, le seul moyen, en tout cas le moyen que j'ai choisi, c'était pas d'aller vers un naturalisme qui allait de toute façon être en concurrence avec les images réelles et qui du coup allait paraître vulgaire, je pense, à un certain moment donné, mais d'assumer ce point de vue qui est le point de vue de Francis, qui est le point de vue du botaniste, qui voit, qui comprend et qui décide. Je ne sais pas si les plantes se déploient comme ça, mais en tout cas, je pense qu'elles se déploient comme ça. Et cette vue de l'esprit, elle est complètement assumée, encore une fois, par ce véhicule qu'ont les botanistes, et moi en particulier, qu'a en particulier Francis, de capacité d'animer l'inanimé pour le rendre, pour le projeter vers l'avenir, pour le projeter vers le futur. Et c'est ce qui m'a amené à faire ce choix-là, qui m'a plu beaucoup, parce qu'on a aussi travaillé, moi c'était la première fois que je mettais vraiment le pied dans ce monde de l'animation, de la 3D. C'est une façon de travailler qui est extrêmement différente, évidemment, de la prise naturaliste, d'une prise de vue naturaliste, telle qu'on peut la faire avec Jérôme. L'idée, c'est aussi de brouiller les cartes, de mélanger les cartes, de trouver des réponses spécifiques à des contraintes spécifiques. Je n'avais matériellement pas le temps de rester 7 siècles derrière ma caméra, il a fallu que je trouve des solutions. Je voulais savoir comment s'est fait le choix du compositeur. Est-ce que vous avez des instructions, genre musique illustrative, musique d'ambiance, comment s'est fait ce choix-là? Et en même temps, à un moment donné, Francis Allais dit que la forêt est en permanence bruyante, du bruit jour et nuit en permanence, et un bruit incessant. Et pourquoi, parfois, de temps en temps, je trouve que la musique prend un peu le pas sur les bruits de la forêt, à certains moments? Ben ça, c'est des choix de réalisateur. Pourquoi vous allez mettre de la musique à un endroit plutôt que pas? Ça, c'est l'intuition du film, c'est la sensation. On ne va pas chercher de la musique sur commande, c'est-à-dire que le travail qu'on a fait avec Eric Neveu est un travail main dans la main, c'est-à-dire que la musique est pour moi narrative, et c'est pas que de la musique, c'est-à-dire que même derrière la musique, vous avez du son, c'est-à-dire que c'est tout un travail de mixage. Pour moi, ça ne doit pas être un aplat musical, évidemment, mais quelque chose qui, à mon sens, en tout cas, tel que je le perçois, est nuancé. Eric Neveu a fait un travail considérable, c'est-à-dire que je prends ne serait-ce que l'exemple du premier plan. Pour moi, on était dans un grand crescendo, comme ça, où on partait de quelque chose de petit, on allait vers quelque chose de grand. Durant tout le film, vous avez des gradients constants qui vont vers une complexité croissante, puisque la forêt primaire est une complexité démente, alors que la forêt pionnière est quelque chose de très simple, de très fruste. Donc la musique devait être à l'image de ça. Donc tout ça, c'est des intentions, alors qui sont réussies ou qui ne sont pas réussies. Ça, c'est une question aussi d'appréciation. Moi, je suis extrêmement content du travail qu'a fait Eric Neveu, parce que je trouve qu'il a su sculpter. Pour moi, la musique illustrative ne m'intéresse pas. En tout cas, la musique est motivée par une nécessité d'écriture qui est très complexe, puisque un film comme ça, ça ne parle pas tout seul. On ne comprend pas les arbres tout seul. Il faut amener les gens à comprendre. Et parfois, la musique prend le pas sur les mots, c'est-à-dire plutôt que de couvrir le film d'un commentaire incessant, il faut justement arriver à sculpter tout ça. Et c'est un équilibre qui est fragile, qui est arbitraire, qui est de l'ordre, encore une fois, de l'intuition pure. Et qui est toujours sujet à débat, bien évidemment. Je crois qu'on a une autre question là-bas. Bonsoir. Y a-t-il eu des choses auxquelles vous avez dû renoncer à regret? J'ai par nature jamais de regret. C'est-à-dire que si vous faites du cinéma en pensant en permanence à ce que vous n'avez pas, à mon avis, soit vous devenez fou, soit vous arrêtez assez vite. Le cinéma, c'est toujours de la contrainte. Et cette contrainte, pour moi, elle est stimulante. Elle est génératrice de création. Elle vous emmène peut-être là où vous n'aviez pas pensé. Le petit singe de Jérôme, il n'avait jamais été pensé au préalable. Donc, voilà, on fait avec. Ça, pour moi, c'est vraiment une école du pragmatisme, c'est une école de l'adaptation. Ou si vous ne voulez pas vous adapter, vous tournez en studio. Vous tournez en studio, vous maîtrisez tout votre environnement. Vous savez très bien que quand vous allez dans la nature, vous allez être uni au faustin, par exemple, au nuage qui passe. Mais peut-être que le nuage va se mettre à jouer son propre rôle à votre insu et vous allez vous retrouver en montage en disant « Ah ouais, mais finalement, c'est pas mal ». Et moi, je pense que la nature est bien meilleure scénariste que moi. Et j'aime bien, toujours dans mes films, avoir cette petite musique qui joue toute seule pour pouvoir la retrouver au montage et donner un souffle que je n'aurais pas eu si tout était issu de ma propre intention. Voilà, ça, c'est des choix de réalisation qui sont, là encore une fois, purement arbitraires. Et en tout cas, c'est ma façon de travailler.
est-ce qu'on a une autre question? Par rapport à la séquence où l'art tombe, je me demandais comment vous aviez fait pour avoir plusieurs points de vue et tout, enfin, comment ça s'est passé sur le tournage. Ça, c'est une séquence dont je suis très fier. Non pas parce que je suis très fier, parce que pour moi, elle est symbole de la coordination d'une équipe. On est allé sur un chantier, on n'avait malheureusement pas le temps d'attendre la mort naturelle d'un arbre, ce qui arrive évidemment très souvent dans la forêt. Je me souviens encore en Guyane d'avoir entendu les arbres tomber dans le crépuscule comme ça, puisque dès que les arbres se chargent en eau, ils trouvent une sorte de déséquilibre et ils vont finir par s'effondrer. C'est extrêmement impressionnant ces bruits d'arbres qui tombent, ce fracas, plus le symbole que ça implique. Donc là, on est allé sur un chantier forestier où il y avait des groupes d'arbres qui se faisaient, malheureusement. En tout cas, on ne pouvait pas les empêcher. Et on a travaillé avec 5 caméras simultanément sur un même arbre qui tombe, puisqu'on savait qu'on n'avait pas deux chances. Et donc, il y avait une caméra dans l'arbre, ce qu'on appelle une crash cam. On avait un drone en l'air. On avait deux caméras dans des plateformes, dont Jérôme, et une caméra au sol pour pouvoir filmer la chute de l'arbre. Et il a fallu déclencher pile au bon moment, c'est-à-dire au moment où l'arbre a tombé. Il a fallu mettre toutes ces caméras en synergie, en coordination. Et un plan comme ça, normalement, on ne réussit pas. Et là, les 5 caméras ont fait des images extraordinaires. Et encore une fois, je pense que tout ça est dû à une équipe voilà, qui est rodée, qui travaille bien, qui sait bosser dans des conditions qui peuvent être extrêmement dangereuses, parce que finalement, vous ne savez pas vraiment où l'arbre va tomber. On vous dit, il va tomber peut-être plus ou moins là, mais il peut tomber là, quoi. Donc voilà, c'est une vigilance, mais bah, c'est un plan que j'aime beaucoup parce qu'il y a évidemment une force symbolique là-dedans qui est considérable. Alors, autre question. Il y a une question là-bas. J'avais une question technique, en fait, sur le nombre de plans ou le temps de film que vous avez fait pour réaliser un film de cette longueur-là. On n'imagine pas, je pense, tout le temps que vous avez dû filmer pour avoir toutes les scènes qui correspondent au film. Je voulais savoir si vous aviez un moyen de vous faire imaginer. En fait, je vous invite à consulter la littérature technique du cinéma. Il y a un effet qu'on appelle l'effet Boubou. Et en fait, si vous mettez Jérôme Bouvier sur un tournage, vous multipliez par 10, en général, votre temps de film tourné. Donc ça, c'est une aparté, mais bon, vous allez voir, c'est théorisé, c'est bien décrit maintenant par la plupart des scientifiques. Mais blague à part, oui, effectivement, il faut tourner beaucoup, parce qu'on cherche le moment rare aussi, parce qu'on cherche le moment précieux, on cherche ce petit rien qui fait que le plan n'est plus que du réel, mais qui porte une magie en lui. C'est vraiment quelque chose que moi je cherche, et il y a souvent un petit peu de hasard là-dedans, il y a souvent une petite cogée, il faut toujours un petit peu de chance finalement pour avoir un plan sublime. Jérôme vous l'a encore dit tout à l'heure. Donc je n'ai jamais fait la proportion, Yves qui est là, qui lui a compté probablement, pourrait nous le dire, mais je ne sais pas, c'est d'ordre de 1 pour 20 ou 1 pour 30, quoi. C'est considérable. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question devant. Oui. À l'heure où au cinéma, on sort des grosses productions, à l'heure où au cinéma, c'est de plus en plus difficile de faire entendre certaines voix militantes. Au passage, je vous félicite et je félicite votre équipe pour ce merveilleux film. Qu'est-ce qui a décidé de la sortie de Il était une forêt, très beau titre aussi, le 13 novembre? Est-ce que, évidemment, il y a des choix? Et question à tous, aux quatre, quelle phrase vous avez envie de dire aux téléspectateurs qui seraient, aux téléspectatrices qui seraient un petit peu dubitatifs pour leur donner envie d'aller voir ce film? On a une phrase, hein. Non, c'est sûr que moi je pense qu'il y a un moment où aujourd'hui, enfin, pour parler de l'aspect distribution, c'est vrai que c'est la troisième fois que Disney distribue mon film en France. Donc c'est aussi une synergie, c'est aussi de la complicité, c'est aussi une façon de travailler. Quand Jean-François Camilleri, que vous avez vu tout à l'heure, me dit « Écoute, je pense que le film est bien le 13 novembre », je ne me pose pas de questions. C'est comme quand je confie la caméra à Jérôme, ou comme quand je monte avec le pilote d'hélico, je ne me pose pas de questions, parce que je sais que c'est son métier qui travaille. Donc ça, c'est vraiment, la dimension distribution. Après, la notion de Paris, elle est évidente. Elle est évidente, mais je crois qu'aujourd'hui il y a 15 films qui sortent toutes les semaines. Donc, je crois que ça sert à rien de faire des surenchères. Je ne pourrais pas aller plus vite qu'Hollywood, je ne pourrais pas faire plus gros, je ne pourrais pas faire plus. Ce que je fais, c'est quelque chose qui a du sens pour moi, que je crois qu'il est nécessaire de dire aujourd'hui. Après, je parie sur l'intelligence des spectateurs. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ben tant pis, c'est la vie. Moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle.
C'est ce qui me permet aussi de faire des films risqués aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis un peu dédouané de ça. Je dis des fois, le succès, c'est comme c'est comme les oreillons, c'est bien d'avoir une fois, enfin, on ne rechauffe pas. Quoi. Voilà, je crois qu'il y a des films qu'il faut oser faire, parce que c'est des films qui sont importants. C'est aussi des défis qui vous emmènent plus loin que ce que vous pourriez être si vous étiez resté dans une espèce d'habitude comme ça. Ça s'appelle prendre des risques, tout simplement. Je crois que j'aime bien prendre des risques. On attend les phrases, hein, maintenant. Ils nous a laissé prendre réfléchir. Alors, les phrases. Moi, je voudrais intervenir sur ce que vous avez dit, excusez-moi. Je serais très heureux si le public venait voir le film, bien entendu. Je serais encore plus heureux s'il allait voir La Forêt. Parce que il faut se dépêcher, et c'est une bonne occasion de se débarrasser des poncifs qui datent de l'époque coloniale, selon lesquels ces forêts, c'est l'enfer vert. Il faut vraiment abandonner tout ça. C'est très beau et très, ça vous emplit d'un sentiment de paix et de plénitude. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça. C'est l'antidote dont nous avons besoin contre la vie urbaine actuelle. Ça fait une sacrée phrase. Oui, c'est une belle phrase. Ça va être dur de passer derrière. Sauf que maintenant, il va falloir enchaîner. Ouais. Donc, Vincent Millet, puisqu'il est là. Non, mais j'ai envie de renchérir là-dessus. C'est de plus en plus, il y a, ouais, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, mais on a un énorme fossé, on ne sait plus vivre dans la nature, on en a peur. Donc ce film, c'est une espèce de réconciliation, enfin j'espère, et comme le dit Francis, qu'on aille vraiment dans la forêt, mais pas obligatoirement en Amazonie, mais dans la forêt qui est sur le pas de notre porte, rien que celle-ci. Donc voilà, j'ai l'impression que pour se sentir peut-être un peu plus vivant, il faut aller voir ce film pour essayer de se rapprocher de la nature et être un peu plus en harmonie. Moi, je dirais aux gens, allez voir ce film, parce que vous verrez un film complètement à part, qui va vous apprendre des choses et vous faire rêver, ouais. Qui va vous donner envie d'aller voir la forêt. Luc ? Alors moi, j'ai une version courte, c'est « Oser voyager en forêt ». Et j'ai une version autodérision, c'est les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors, on a encore le temps de prendre deux questions. On a une question de monsieur, qui est juste là. Oui, bonjour. Oui, j'aurais plutôt tendance à vous envier qu'à vous plaindre. Donc, voilà, j'ai une question surtout pour Francis. Allez sur le passage des arbres qui appellent la pluie, dont j'avais jamais entendu parler. Et une question qui est peut-être moins botaniste, mais plus technique, c'est ces arbres qui ont l'air de gonfler. J'ai l'impression que c'est de la 3D, mais comme c'est pas du dessin animé, on ne sait pas. Voilà. Alors, concernant les arbres qui appellent la pluie, c'est une chose récente. Ça n'a même pas 10 ans, si je ne me trompe pas. Que les arbres envoient des molécules volatiles dans l'atmosphère, ça on le sait depuis un quart de siècle à peu près. Mais on ne savait pas à quoi ça servait. C'est des collègues de l'Institut de recherche sur l'Amazonie à Manaus, une équipe de Brésiliens, qui nous explique que pour que les gouttes de pluie se forment, il faut un germe. Et en Amazonie, et dans les forêts équatoriales en général, le germe, c'est une molécule de VOC, autour de laquelle s'agglomèrent des molécules d'eau jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment pour que ça tombe. Mais c'est quelque chose d'assez récent. Votre deuxième question, c'était sur les arbres qui gonflent. Oui, ça, alors là, c'est à lui de dire, moi j'ai... Enfin, je me souviens de Francis sur le plateau horrifié qui me dit « Qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» Ça, c'est effectivement un effet spécial, c'est un des rares. Mais c'était pour répondre à une croyance. On pense toujours que les arbres, ça sort de terre comme une fusée et que ça monte comme ça de manière infinie. Et là, c'est quelque chose que j'ai appris avec Francis, c'est qu'un arbre, ça ne bouge pas. C'est-à-dire qu'un nœud qui est à 20 cm du sol, il restera à 20 cm du sol toute sa vie. Donc c'était pour amener cette notion-là, alors de manière discrète, de manière pas plaquée, mais les arbres, ça gonfle en épaisseur et ça monte en hauteur. Francis, tu viens d'appeler ? Mais pas à vue d'œil. Dépend avec quel œil tu vas regarder. Oui, on va prendre une dernière question. Ah voilà, d'accord. C'est aussi une question qui a trait à la diffusion du film au public.
J'ai adoré vos travelling dans le film. Il y a des super beaux travelling, il y a des plans séquences assez inédits pour un documentaire au cinéma. Et je voulais savoir si en pré-production, à un moment donné, il était question de faire le film en relief. Ou c'est pas votre truc, ou c'est votre budget. Pour moi, la contrainte du relief était trop forte sur ce film. C'est-à-dire que d'emblée, j'ai. Pardon ? Même en conversion après. Faire du relief pour faire du relief, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire, pour moi, le relief, il doit être intégré à l'écriture. Je vous invite à aller voir Gravity pour faire de la pub pour les autres. Parce que là, le relief a un sens. Allez voir Avatar, là, le relief a un sens. Je pense que il doit y avoir une intention qui est très forte. Et en tout cas, la dimension instantanée, la dimension saisie sur le vif, dont je parlais tout à l'heure avec l'équipe de Jérôme, même avec ce qu'on fait, pour moi, a été interdite à l'heure où on parle, avec la lourdeur de la 3D. C'est-à-dire que, pour moi, c'est tourner ce film en 3D, c'était tourner avec un boulet à chapitre. J'avais pas envie de ça. D'accord. Même si, intellectuellement et artistiquement, la 3D m'intéresse. Mais encore une fois, c'est une intention, c'est une écriture qui est vraiment singulière. Je crois que soit j'étais pas prêt, soit c'était pas le moment, peu importe. Mais en tout cas, j'avais pas du tout envie de 3D sur ce film. Merci. Alors Luc, on va vous laisser juste le dernier mot. Qu'est-ce que vous espérez maintenant avec ce film? Qu'est-ce que vous espérez comme suite à tout ça? Ben, si j'ai réussi à transmettre ce moment de saisissement, ce moment d'émotion qu'a transféré Francis, et qui fait, comme le disait Jérôme encore tout à l'heure, qu'on ne voit plus les arbres de la même manière, si j'ai réussi à créer un peu d'empathie entre des gens qui vivent très loin des forêts et les forêts, si j'ai donné envie à des gens de faire de sorte qu'ils se mobilisent pour faire que ces forêts cessent d'être coupées, qui considèrent de manière un peu plus générale le monde dans lequel on vit, non pas comme un lieu de prédation, mais comme un lieu d'habitat, et un lieu d'habitat durable, ben peut-être que j'aurais fait ma part du travail, ça ne s'arrête pas là. Mais je crois que voilà, il faut insister, il faut que chacun prenne sa part de cette grande révolution philosophique, à mon avis, qui nous attend, qui est notre relation à la nature et à la planète. Voilà, c'est une contribution, modeste contribution à un grand chantier qui, à mon avis, va durer malheureusement plusieurs années, pour peut-être pas dire plusieurs générations. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les quatre.